Visa, notre chaîne diffuse sur le canal 66. Visa, vidéo interne de Saint-Aubin. C'est votre chaîne. C'est parti. La chaîne Visa TV a ainsi été créée pour présenter les diverses activités du quartier social, pour diffuser des informations sur la ville en détention, pour permettre aux détenus de se cultiver, de s'amuser et de s'informer, tout ça sur une même chaîne, le canal 66. L'équipe du CVI se compose de deux auxiliaires et de deux bénévoles. Ils doivent filmer les différentes activités, du sport, du théâtre, de la musique, des activités artistiques. Et ensuite, ils montent sur leurs ordinateurs les rushs du jour. Le but est de produire le plus souvent possible des petits reportages pour alimenter la chaîne. Ils ont à leur disposition deux pieds, deux caméras, une perche, deux ordinateurs et un fond vert qui leur permet d'être dans un studio de JT, aux Bahamas, dans le désert, dans l'espace, tout ça en un claquement de doigts. Chaque semaine, ils partagent leurs reportages, leurs événements sportifs ou leurs séries humoristiques fait maison. Allô, allô ? Maman ? C'est moi ! La chaîne Visa TV rencontre du succès auprès des détenus et même des surveillants et du personnel administratif. En démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Docteur, docteur, j'ai un problème. Alors prenez du Dafalgan. Non, c'est plus grave que ça, monsieur. Je me suis coupé le bras à la télé. Prenez-en deux. Ça fait 6 ans maintenant que je suis intervenant extérieur à la prison du Havre. Alors mes missions, c'est très simple, je suis là pour apprendre aux oxy à faire du montage, à faire de la caméra, apprendre à filmer, à faire des interviews et puis aussi à leur donner des conseils sur l'exploitation de la chaîne Visa qu'on crée ensemble. Alors l'idée, c'est de mettre en valeur tout ce qui se passe ici en prison, alors que ce soit aux quartiers sociaux ici, parce que alors il y a des remises de diplômes, puisqu'il y a une école, il y a différents ateliers, il y a des intervenants extérieurs de musique, de littérature, de peinture, et puis c'est aussi des activités sportives, il y a souvent des matchs de foot, donc on les filme, de basket, de handball. On a aussi fait des émissions autour de la cuisine. On a même fait une petite série humoristique en animation dans le style des têtes à claques. Nous sommes en train de créer une mini-série humoristique qui s'appelle Tête de ouf. Et donc on retraçait en fait la vie de l'intérieur de la prison avec pas mal de petites anecdotes rigolotes. C'était très sympa à faire. Alors ce qui m'a tout de suite plu quand je suis arrivé ici, c'est le contact avec les oxy, de pouvoir travailler ensemble, de voir ce que eux avaient envie de faire, moi de pouvoir leur apporter mes connaissances, et que eux aussi apportent leurs idées, leurs envies. Et donc c'est ce travail en commun qui me plaît beaucoup, quoi. Et là, le grand projet de l'année, c'est de réaliser une émission autour du football. Parce que l'un des oxy est passionné de football, donc c'est ce qu'on va faire cette année.